Ah, j'allais avoir un message de Pépi. Ouais, frère, j'ai besoin de toi pour une ferme. Il est malade, une ferme. Oh tiens, je vais en parler à mon poteau Sticky. Sticky, envoie un message. Wesh, poteau. Voilà. Bon, le message a été envoyé. Ouais, je suis une ferme, j'ai jamais tenu ça de ma vie, moi. Comment je vais faire? C'est parti. Ouais, mon chauffeur arrive. Alors, normalement, ça bug encore ou quoi? Ah, non, c'est bon. Ouais, impeccable. Google, rejoins-moi à la rue Charles. C'est bon. Ah, alors. Ah, ben ils sont là-bas. Monter par là parce que j'ai quelqu'un. Oh, bonjour. Wesh. Wesh, ça va, poto? Ouais, ça va. Et attends, est-ce que je me sers, hein? Vas-y, vas-y, serre-toi, serre-toi. Dis là, il y a mon frère là qui vient de m'envoyer un message là. Il veut qu'on aille tenir une ferme à sa tante ou quoi. Vas-y, pas de problème. Parce que je me dis, bon, j'ai jamais fait ça. Je suis là pour échanger. Vu qu'on a. Bon, on n'a pas à se plaindre du fric qu'on a. Hein, donc, Bah là, surtout pas moi. Là, toi, t'as aucun problème. Moi, ça va. Bah, toi, t'as vraiment aucun problème. Et donc. Je sais plus, il m'a dit exactement où c'est, mais on va se rejoindre quelque part avec lui. Ouais, tout ça, on a rendez-vous en Belgique pour récupérer le matos. Ouais, récupérer le matos. Enfin, la commère, on va acheter plutôt le matos. Ouais, et on a aussi la. Enfin, on a le concession à aller voir. Bon, je paierai une partie, mais t'entends pas de problème à payer. Ah ouais, pas de problème. Payer en cash. Bon, ah, c'est ton yacht ici. Ouais, ouais. Attends, je descends. Ah, on se donne une arme, Tréma. Oh là là. Tu peux toujours sortir les armes. Ouais, ouais, mon nouveau yacht, t'as 9 millions là. 9 millions, t'as déboursé pour ça. T'es malade, toi. Pourquoi c'est la base hein. T'es malade, 9 millions. Mais oh ouais. Là là là. Non, mais bon. Il paraît que ça va pas être de la petite ferme hein, qu'on va avoir. Bon, ah bon il paraît qu'on peut choisir son matériel donc. Il nous a fait appel à nous parce que voilà, t'étais plein les poches, hein, donc. Ah, t'inquiète. Tu peux visiter tout ça ou quoi? Ouais, petite soirée là, tranquillou. Ah là là. Bon, ça va alors, impeccable. Ouais. Par contre, il nous faudrait un ouvrier. Et toi, ton chauffeur, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Thomas, t'es où? J'arrive. Espèce de con. Il travaille encore en bas. Vas-y, viens. Ah, très mince, t'as toi travaillé dans une ferme. Pourquoi pas, c'est vrai, ça va. Ouais, mais tu emmènes des armes avec au cas où. Oh ouais, t'inquiète. Bon, on est plan, y'a pas de problème. Voilà. Ouais, très mince, ça fait 9 ans que je le connais, donc tu vois. 9 ans. Ouais. Ah, yeah. Je suis pas mort. Faites voir votre tatouage, il a l'air pas mal. Oh. Ah non, ça se garde. Ouais, bah, je donnais ma pause. Une belle vie ici. Hein. Hop. Oh là là. Je vais donner ma boîte à Guy pour l'instant, de gérer ça ou quoi. Ouais. Ouais, bon, il m'a dit donc ce serait d'ici d'ici une petite semaine hein, qu'on irait, donc pas de problème. Okay. Mais pour les véhicules, on peut déjà voir tout de suite bientôt quoi. Ouais, ah, bah je demande à mon chauffeur de ramener chez toi, tu prépares la bagage, on va partir en Belgique. Hein. Ok. Oh, on a du trajet. Hein. Ouais. J'achète les billets d'avion chez moi si tu veux. Tac. Tréma, tu l'emmènes chez lui? Tu me ramènes chez moi, Tréma? Ah ouais. Merci. Ouais, allez, c'est parti. Hop. Monte à l'avant, hein.
Ah ouais, quand vous voulez, quand vous voulez. Oh, sympa l'hélico à l'avant. Hop. Alors, vous habitez à quelle rue, monsieur? Alors, c'est la rue piétonne numéro 29. C'est où il y a le gros appartement du haut là-bas. Les Gibbs Tower, c'est ça. Voilà. Ouais, merci. Bon bah je rappellerai votre chef. Hein. Allez, au revoir. Voilà, allez, c'est parti. C'est déjà pas mal, je veux commander les billets d'avion. Internet, alors, tac, voyage et transport. Alors, c'est... Non, c'est pas ça. Ah, c'est ici. Voyage... 3 000 $ les billets. Oh, bordel, tout ça pour aller en Belgique. Bon, allez. Pas en hélico, bah. Oh, le Luxor de luxe. Voilà. Tac. 2 billets. Voilà. Impeccable. Je prends mes derniers bagages, tac, ma valise est faite là, hop, impeccable. Tac, j'ai tout pris, normalement ils m'attendent devant. Allez, hop, je monte dedans, tac. Et en plus, c'est moi qui dois ouvrir la portière. Allez, quoi, franchement. Allez, ça va? Et Stick, tu veux parler ou quoi? Et en plus, c'est moi qui dois ouvrir la portière. On a le temps. Oh, tranquille ici. Oh là, le reflet du soleil derrière, oh, que ça fait mal aux yeux. Allez, les gars. Wouah, t'es sérieux, t'as ça toi? Eh ouais. Non, mais pur or. Mec. Mais t'es putain. Oh là 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 là. Ouais, Shtrap, ça va ou quoi? Ouais, vous. Ouais, tranquille. Toujours avec une arme en main. On va changer d'habitude. Attendez, j'ouvre. Bonjour, voilà. Attendez. Parti. J'ai pris votre place. Pas grave. Ah. Viens. Ah, il a du champagne derrière le salon. Direction Belgique, connard. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Pour l'essence, ça, tu crois? Bah, y'a l'air. What the fuck? Tu vois ça pourrait faire. Tu me vois là-dedans? Tout Jésus. Tu me vois moi là-dedans? Oh là là. Vas-y. Allô, yo. Bonjour. Bienvenue. Ouais, bonjour. Donc, on vous avait prévenu notre arrivée. Ah oui, vous êtes les deux Américains.
Oui, les deux Américains, on va tenir une ferme, les deux riches là, vous savez. Enfin, vous êtes pas gros. Surtout lui le riche. En plus, il a bien en salopette maintenant. C'est surtout lui le riche, donc voilà. Tout Jésus. Voilà, on est venu voir un peu ce que vous avez à nous proposer, au niveau des véhicules et tout. Bah venez, je vais vous montrer. Allez, d'accord. Hop. Oh merde. Hop. Donc alors, on a déjà un tracteur. Voilà. Oh yeah. Massé Ferguson 576 Andy. Oui, c'est un tracteur. On peut voir l'intérieur ou... Ouais, vous pouvez aller dedans, c'est ouvert. Viens. Attends, je vais voir ça. Attends, tiens, regarde, tu vois déjà là-dedans ou quoi? Wesh, c'est quoi sous ces boutons? J'ai pas dire. C'est une automatique, j'espère. Oui, oui. Ouais, je pense que c'est ça va. Comme vous avez demandé. Bon. Ah, ouais. C'est la commande. À quel nom? Non, attendez. Et attendez, vous passez déjà la commande. Attendez. Mais non, mais c'est pour enregistrer. Ah, c'est à quel nom? 667. Voilà, Sticky 67. Okay, moi, Sticky 67. Je paye une partie. Qu'est-ce que tu payes ton argent, toi? Ouais, j'ai assez pour me payer. Votre carte bleue, monsieur. Quoi, carte bleue? Attends. On prend quoi? Vas-y, choisis. Fais les commandes. Attends, bah, vous avez un catalogue vite fait à me passer de tout ce qu'on a vu ou quoi? Oui, je vais vous le donner. Voilà. Merci. Vous pouvez aller vous asseoir, il y a des chaises. D'accord, attendez, viens, on va voir ce qu'il y a dit. Bon, attends, je regarde. Attends, oh, toi là. Ouais. Viens avec nous, prends la calculatrice, calcule. Ouais, viens. T'arrives. T'as quelque chose. Bon, je regarde ça, je fais la commande pour toi aussi. Vas-y. Donc toi, tu serais plus pour un Xerion, hein, c'est ça? Xerion, FEN, JCB. Ok. Bon, alors, tu mets un Xerion 4500. Ouais. Tu rajoutes donc le JCB Fast Track 4000. Je vois ça. Ouais. Ah, mais t'as encore des tracteurs qui sont pas arrivés. Okay. Et tu mets le FEN 936. Ouais, franchement, il a pas mal de chevaux. Bon. Dernière page normalement. Ouais. Et pour moi, je vais prendre le Arion 650. Ouais. Et le Maxim 110 et le Maxim 140. Et je fais tout ça. Ouais. Et on prend quoi? On prend la repas aussi ou quoi? Bah ouais. Ouais. Ça doit servir à quelque chose ça. Ouais pour les betteras. Bon bah tu mets la repas avec alors. Une? Bah oui, on est pas au marché ici, on achète pas des petits pains, on achète des véhicules. Bon tu paieras pour Stick, ça change rien. Mais bon. et puis tu mets La CR, la New Holland que t'as vu là-bas, qu'on a vu là-bas, avec la barre de coupe. Et okay. La Tonahawk ici, qui est ici devant. Bah, c'est pour du gasoil ou de l'eau ça? Celle-là c'est pour de l'eau. Ah, tout bon. Ça va. Et la FEN, bah, vous mettez avec la charrue et. Et qu'est-ce qu'on a? En benne, tu mets la 2 heures qu'on a vu. La 2 heures, 2 essieux. Oui. Oh, Stick! Ouais, c'est moi. J'ai hâte de voir ça dans le catalogue. Ils vont recevoir une Europa Big Bird. Tu vois, le gros transbo pour les betteraves. Hachimi et tout. Ouais, prends. Monsieur, vous allez recevoir alors ça. Donc, oui, mais il sera vachement cher. Wow, ça devrait passer. Dans les 50-60 000. Wow, ouais, ma carte bleue, c'est carte black. Donc. C'est juste, j'achète le village. Bon, ben, vous viendrez nous livrer dans une semaine quand vous voulez. Ok, ce sera tout.
Et ce sera tout. Et... On doit vous le livrer. Attends, je regarde. Et la presse Chrono Ultima et la quadrant. Celle-là, la quadrant, je ne l'ai pas vu. Pas. Vous en voulez un check? Oui. Voilà. Bon, je pense qu'on pourra déjà démarrer avec ça, ça sera déjà pas mal. Oh, on doit vous le livrer ou pas? Ouais, ça va. Pas de faire non plus. Alors, il y a un prix pour la livraison. Ouais. Alors, vous en aurez pour 9 165 000. Ah, voilà, c'est déjà un meilleur prix. Ah, ouais, c'est déjà meilleur. Ah, attendez, bougez pas. Venez, on va vite. C'est déjà meilleur. Mais bon, pour toi, ça changera. T'es milliardaire, voilà, et millions, ça changera. Voilà. D'accord. Vous voulez l'essence dans les véhicules ou pas? Bah, non, bah oui, hein. Réfléchissez. Attends, bon, ok, ouais, ça fera 5 000 en plus. 5 000, les. Alors, 9 170 000. Ah, tu veux la carte. Merci. Hop. Mettez le code. Pip, 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 pip. Merci, monsieur. Vous pouvez y aller. Ouais. Bonne journée à vous. Vous partez tout de suite livré alors ou quoi? Oui, oui. Parce que là, vu le chèque qu'on vient de vous faire, là, je pense que vous avez réussi votre vie. Et des sirènes, tu crois, sous le mien? J'ai pas de test, ça, son cousin. Ouais, police. T'es marteau, toi, oh putain. Allez, la partie. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be.